is now time for the sharing of the Word of God. Today, we will start by sharing on the theme, which is the theme of this year, Be Not Afraid, Only Believe. So Divine Grace Gathering Church family, please help me welcome the preacher of the day, Prophet Rema Goy. Hallelujah. Amen. 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 I greet you all in the mighty and wonderful name of Jesus. Nous vous saluons dans le nom puissant et merveilleux de Please, notre Seigneur Jésus-Christ. Today is the first Sunday of the year. C'est le premier dimanche de l'année. And I think we are the fifth. Right? Oui, nous sommes le 5, oui. Oui, oui, nous sommes le 5. Oh, je pensais qu'on était déjà le 6 là. Non, the fifth. Make sure you greet five people around you and Alors, bless them in the name of Jesus. Alors, j'aimerais que tu puisses saluer cinq personnes et bénir les personnes au nom de Jésus. On va entrer dans la parole de Dieu, frères et sœurs. We are in the word of God, brethren. Je sais que l'heure est partie. The time has gone. C'est le premier message de l'année. This is the first. Permettez-moi quand même de vous bénir. Please allow me to bless you. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout ensemble? On va lire Marc chapitre 5. We are reading in the book of Mark 5. On va lire de 22 à 42. 22 to 42. Frères et sœurs, lisons-le ensemble. Let us read it together. Parce que ça va nous bénir tous. Because this shall bless all of us. Please, let us read together. Je vais y aller en français pour gagner en temps aussi. The Gospel of Mark 5, 32. Et vous pouvez le lire ensemble avec moi à l'écran en français. So you can read it in the screen. La Bible dit, alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Et il lui adressa cette instante prière, ma petite fille est à l'extrémité, viens impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Il n'a pas dit pour voir celui. He didn't say who, the one who did. Pour voir celle qui avait fait cela. The one who did. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ceux qui l'accompagnaient et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talita kumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva, se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Amen, amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir, Église de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais nous bénir en ce jour. I want to bless us today.
Oh, je voulais nous bénir en ce jour. I want to bless you today. Avec un message important. With a very important ne message. Crains pas. Do not fear. Crois seulement. Only believe. Aidez-moi à regarder votre voisin, s'il Please, vous plaît. Look at your neighbor. Dites-lui cette année. Look at your neighbor. My neighbor ne crains pas. Don't fear. Crois seulement. Only believe. Dites-lui encore, ne crains pas. Tell your neighbor, neighbor. Crois seulement. Only believe. Si le média peut m'aider à augmenter un peu la musique. So please. Ne crains pas, crois seulement. Only believe, do not fear. Jésus n'a pas donné ça juste comme une proposition. Jesus didn't give that like a proposition. Mais il a donné ça à l'impératif. He gave it like an order. Jésus donne à tout un chacun de nous cet ordre. He gave that an order cette to each and année, one of us this year. Nous ne sommes pas de ceux qui vont craindre. We are not mais nous among sommes those de ceux who qui shall vont fear, croire pour voir le miracle. But we are among those who shall believe to L'histoire see miracles. Commence avec quelqu'un. The history begins with qui somebody s'appelle Jairus. By the name of Jairus. C'est en lisant que je me suis rendu compte que It's only by reading that Dieu est tellement bon. God is so il a good. Relié le thème de l'année passée au thème de cette année. That he linked last year. L'année passée, on disait, last year lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Because your light is coming. Et le mot Jairus, and the word Jairus veut dire celui qui a été éclairé. Means the one that has been celui enlightened, qui a reçu la lumière. The one who received the light. Mais tu peux avoir reçu la lumière, you may have received mais the te light, retrouver encore dans des combats. But still find yourself in battles. Tu peux avoir reçu la lumière de Dieu. You may have been enlightened mais te retrouver by God, encore dans l'adversité. But still find yourself in Jairus, adversity. Qui veut dire éclairé, Jairus, enlightened, s'est rendu compte que sa fille his daughter, était en train de mourir. Was dying. Elle se dépérissait. She was going worse. Et il est venu vers Jésus. He ran to Jesus. Pour lui dire, viens sauver ma fille. Say, come and help my daughter. Viens sauver ma fille. Come and help car ma fille daughter. Est en train de mourir. Because my daughter is dying. Il était l'un des chefs de la synagogue. He was a ruler in the synagogue. J'aime ce que la Bible dit. I love what the Bible quand la Bible says, dit chef de la synagogue. When the Bible says a ruler of the synagogue. Archisynagogos. That what it says. Ça veut dire l'archevêque de la synagogue. He was a bishop in the synagogue. Il avait un titre élevé. He had a post which was elevated. Et le arch dans la synagogue étaient ceux qui autorisaient aux gens à lire les livres. They were the one who allowed c'était people ceux to read. Et qui contrôlaient même les discours des prédicateurs. They could control how c'était you preach. Eux. Qui regardait si ce que la personne dit est décente ou pas. They could check and see if what you are saying in the synagogue mais il s'est retrouvé dans des problèmes but himself que la loi, problem. La connaissance et même that les titres ne pouvaient the pas knowledge, résoudre. The title could not help seul him. Jésus pouvait résoudre. But only Jesus je could viens help. Dire à quelqu'un cet après-midi I wanna tell somebody, il y a des choses que ton titre ne résoudra there pas. Are things that your position il y a des choses que ta position allow. Familiale ne résoudra pas. Your family position il y a des choses que ton you. Titre au travail ne va pas résoudre mais que Dieu not, seul est capable de résoudre je prie cet après-midi que Dieu vienne entrer dans tous les God domaines où tu n'as pas de force each and every domain where you are powerless. Oh, que Dieu vienne entrer may dans God tous les domaines de ta vie où tu ne sais rien faire. Domain of your life that you cannot do anything by yourself. Jairus dit à Jésus. Jairus said to God, ma to fille Jesus, est souffrante. My daughter is sick. Elle est à l'extrémité. She is at the extreme. Ce mot en grec veut dire. That word in Greek means. Elle tient à un fil. She is only hanging on a rope. Ce fil là qu'on appelle la vie. She is at the hand of the rope. Elle tenait un fil qu'on appelle la vie. She was hanging up on the rope. Jésus a dit à Jairus. Jesus said to Jairus. Viens, on va y aller. Come, we shall go together. Une grande foule a commencé à suivre Jésus. A multitude was et walking pendant qu'ils étaient en train de partir, while they were walking, une autre personne vient interrompre. Another person came and interrupt. Une femme qui perdait le sang. A lady with the blood issues. Alléluia. Amen. Wow. Amen, amen. Amen. Il y avait une femme qui avait la perte de sang. The way a lady was losing elle blood. A tellement perdu le sang. She lost a lot of pendant blood. 12 ans. 12 years that she was je vais vous parler, comprenez-moi très bien. I want you to pay pourquoi attention. Dieu a guéri la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Why God healed a woman pourquoi of 12 la fille years? De Jairus avait aussi 12 ans. And the daughter of Jairus had 12 qu'est-ce years? Que les 12 voulaient nous faire comprendre? What the two 12 women, si tu comprends cela, if you understand ça that, sera une bénédiction aussi pour tes 12 mois. That will be your blessing for your 12 years. Des 12 mois ici. The 12 months here.
Quelqu'un est avec moi. Amen. Pendant que Jésus part chez Jairus, when Jesus was walking to Jairus, en cours de route, while he was walking, Jésus est interrompu par une femme. Somebody stopped him. Qui perdait le sang. She was losing blood for 12 good years. J'aime la précision de la Bible. I love the precision in the Bible. Une certaine femme. The Bible says a certain woman. Vint vers Jésus. She came from Elle behind. A touché le pan de la she robe. Touched le the mot qui dit une certaine femme. The word saying a certain voulait lady. Dire une femme étrangère. Just want to say a stranger une femme lady, non connue, a known person. Elle a juste eu foi. She only believed. Elle a dit je viendrai toucher le pan de sa robe. She said, I shall come et en touchant le pan de la robe de Jésus, and when I will touch elle a the garment été guérie d'une maladie de 12 ans. And she was le Seigneur m'a demandé que je fortifie quelqu'un. The Lord asked en me cette to année, this year, pose des actes de foi. Act by faith. Je n'ai pas entendu ton amen. I didn't hear your amen. En cette année, this year, pose des actes de foi. I want you to act by faith. Vous savez que la loi interdisait aux gens qui avaient le flux de sang. You know the law. C'est la chorale qui va juste dire au revoir à la sœur Lisa et qui revient. Hein? Oh, you know the place. The people are just want to say. Alléluia. Lisa. Oh, dis-moi amen encore amen. Bien. Give me a good bump. Cette femme là. La loi interdisait the law qu'une femme qui perdait le sang didn't allow puisse se promener parce qu'elle était impure. Public because she was unclean. Et si on la voit comme ça, if they see on her, devait la lapider. She had to be stoned. La loi l'interdisait à se présenter. The law in the mais elle s'est present. Retrouvée là où il y avait Jésus. But she found herself dans la foule. Was. In the crowd. Il suffisait juste qu'une personne la découvre. If only one person could notice pour her, qu'elle soit mise à mort. And she could be stoned. Mais elle a pris le risque. But she took de the dire risk pour ma guérison. To stay for my je vais sake, le toucher. I'm gonna take the risk. Qui me voit, qui ne me voit pas. Let people see me je vais alone. Braver la peur. I am going je vais braver la mort. L'essentiel pour moi sera de le toucher. What means to me a lot la foi to touch dont him. Dieu nous parle en cette année, that God c'est une dimension de foi où tu ne marches pas selon ce qu'on t'a dit par le médecin. Je ne suis pas contre les médecins. I'm not ils font the leur travail en tant que médecin. Mais je viens te dire cet but après-midi, tell you this brave tout ce qui peut te faire go peur jusqu'à ce que tu puisses toucher until Jésus. You touch Jesus. Alléluia. Amen. Brave tout ce qui peut te secouer. Go beyond everything that can shake jusqu'à you. Ce que tu vas toucher Jésus. Until you touch Jesus. Cette femme là a dit, this lady said, même si je risque de mourir, let me take the risk of dying. Mais je vais le toucher. By touching Jesus. Et c'est bizarre. It's so weird. Dans la loi, in the law, quand une personne est impure, when somebody is unclean, si elle vient toucher à une maison, when she touches cette house, maison là devient impure. That house become unclean. On doit la nettoyer. Si elle clean, touche à un vêtement, if they touch ce vêtement clothes, là devient impur. The clothes become unclean. On doit le nettoyer. They have to mais wash. Elle est venue but she toucher à l'habit de Jésus. She touched the clothes of selon Jesus. La loi, according to the elle law, devrait rendre Jésus impur. She was supposed to make mais Jesus elle unclean. N'a pas rendu Jésus impur. But she didn't make c'est Jesus plutôt unclean. La pureté de Jésus but qui l'a the cleanliness of Jesus go and cleans her. Est-ce que quelqu'un est avec do moi? You understand? Elle vient le toucher. She came les and gens Jesus. De la loi allaient dire people of the si law tu tiens quelqu'un if you et que tu es impur you are la personne devient impure the person you mais quand tu touches unclean. Jésus when you touch tu ne Jesus, le rends pas impur mais c'est unclean. De sa pureté qui t'est but transmise je viens dire à quelqu'un cette année I wanna tell you this ne touche pas ton frère ou ta soeur décide de toucher Jésus dis Seigneur je ne vais pas te lâcher même si on m'a collé une fausse réputation if I have même si on m'a insulté if moi insulted, je ne vais pas me fatiguer je vais te toucher I'm gonna quand touch je te you, touche Jesus. Toi when I touch ce n'est you, pas Jesus. Ma nature qui va prévaloir nature mais c'est ta prevail, divinité qui va prévaloir sur your moi deity shall prevail over me. Oh je n'ai pas entendu ton amen. I didn't hear amen. Quelqu'un dit avec moi Jésus je veux te toucher. Say, Jesus, I wanna touch you. Que quelqu'un le dise encore, Jésus, je veux te say toucher. Again, Jesus, I want to touch you. En cette année 2020, this year 2020, soyons de ceux-là
Let us be among qui allons braver la peur, who shall go beyond our qui allons fear, braver les combats, we shall break all our fight, pour que nous puissions toucher so Jésus. That we touch Jesus no Zambi, matter what. Aneo na lingina simba, Lord, na this year I wanna hang unto you, na tembe. No matter what. Je pensais qu'il allait dire with tembe. Je veux te toucher. I'm gonna touch you, Lord. Que les gens le veulent ou pas. May people like cette année, je veux te toucher. This year 2020, Lord, regardez Jesus, ce qui est en train you. De se passer là. Look what is happening. La Bible dit. The Bible la says, femme a souffert. This lady suffered. Entre les mains des médecins. Unto physicians. Et ce qui est bizarre. And what is so wild, le mot médecin qui est utilisé. The word used for physician there. Iastros en grec. Iastros in Greek. C'est Rapha en hébreu. It means Rapha. Ça veut dire celui qui, it means the one, par ses paroles et ses recommandations, his word and recommendation, il te guérit, can heal you, et t'accorde le salut. And can give you salvation. Oh. Mais quand elle est allée voir les Iastros, when she went to see physicians, sa situation ne s'est pas améliorée. Her situation, mais sa situation better, s'est empirée. But it get worse. Il y a de ces gens-là, there are people, en 2020, in 2020, ne va pas les consulter. Don't go and consult them, no. Suis-je en train de vous pousser à la rébellion? Am I making you rebellious? Un tout petit peu, oui. Yes, a little bit. Il y a des gens, there are some people sont des bango frères. Don't go anymore. Tu regardes que non, celui-ci, whenever en you 2019, look at somebody, la connexion avec lui m'a tiré vers le bas. Laisse-le. Laisse-le. Il y a des gens, quand ils entrent dans ta vie, they ils viennent empirer les choses. When they come in your life, décide dans worse. Cette année de dire, decide, je vais te year, toucher toi, Jésus. Only Jesus. Et si je te touche, and if only tu vas résoudre mon you, problème. You shall give an answer to my problem. Vous savez ce qui s'est passé? You know what happened? Quand elle a touché Jésus, when she touched Jesus, Jésus lui a dit quatre choses importantes. Jesus said something very important. Je ne sais pas si on peut nous le mettre à l'écran. I don't know if they can give us. Dans Marc 5, in the book of Mark 4, Jésus 5, commence par dire, Jesus said, ma fille, my daughter, ma fille, my daughter. Je ne sais pas si on peut nous le balancer. I don't know if you can read that again. Non, un peu en haut. Let us go a bit. Peut-être vers verset 25, quelque chose comme ça. 25, somewhere there, when she touched Jesus. 34. Si on peut nous le mettre en français. Mark 5, 34. Jésus dit, and Jesus said, ma fille, my daughter, ta foi t'a sauvée. Your faith have healed. Et puis, va en paix. Go at peace. Et sois guéri de ton mal. And be. Mettez-nous juste le verset 34, s'il vous plaît. 34. Regardez une différence, frères et sœurs. I want you to notice this. Quand la femme venait toucher Jésus, when this lady came to touch la Jesus, Bible dit, the Bible says, une femme, a certain woman, King James dit, King James says, une certaine femme, a certain lady, une femme quelconque, a certain lady, une étrangère, a stranger, sans identité. Identityless. Mais quand Jésus l'a guéri, but when Jesus, Jésus l'a appelé ma fille. Jesus called her et le my mot daughter, ma fille, and the word my daughter, en grec, tougater, what he said, tougater veut dire, it means, celle qui m'appartient, the one that belongs celle to qui me, s'est connectée à moi, the one that is connected, et qui a reçu me, ma, and qui a reçu mon ADN, my DNA, qui a reçu ma nature, who received my nature. La femme était venue comme une femme quelconque. She came like a mais après avoir tenu but Jésus, when she touched Jesus, elle a été affectée par la nature de Christ. Affected by Jesus, et elle est devenue nature, enfant de and Dieu. She became a daughter of the God. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. I don't know if you understand. Si tu étais entré en 2020, if in 2020 tu n'avais pas d'identité, parce que tu vas toucher Jésus, ta nature divine va se manifester. Même devant tes ennemis, même devant tes adversaires, ta nature va se révéler. Est-ce que tu peux taper la main de ton voisin? Dis-lui, mon identité va se révéler. Dis-lui encore, mon identité va my se révéler. Identity shall be revealed.
Celle qui était quelconque. The one who was a stranger. Jésus l'appelle ma fille. Jesus called her my daughter. Ma fille. My daughter. Ça veut dire. It means. On l'a identifiée comme étrangère. She was identified like a stranger. Mais Jésus. But Jesus. L'identifie comme fille de la identified maison. Identified her as a daughter of a house. Celui qui touche Jésus, the one who touched Jesus, il est adopté. He is adopted. Celui qui touche Jésus, if you touch Jesus, n'est plus comme un enfant de la you rue, are not anymore mais il commence stranger. À bénéficier des bénédictions but de la maison. You take voilà pourquoi ce soir, house, toi qui es Jésus en you toi, who has tu es fils d'Abraham, you are a tu es fille d'Abraham, Abraham, et la promesse de Dieu écrite dans sa parole, God in elle the est pour toi et elle est pour you moi. And for me too because we have Jésus dit, Jesus. Ma fille. Jesus said, my daughter. Number two. Second thing. Ta foi t'a sauvé. Your faith has made you whole. Ta foi. Your faith t'a sauvé. Have saved you. Jésus savait Jesus knew que le problème de cette femme that the problem of this lady n'était pas d'abord un problème de santé. It was not a health problem. C'était d'abord un problème de foi. It was first the problem of faith. Et le mot sauvé, sozo en grec, the verb to veut dire serve, ta foi a fait que tu sois secouru. Your faith have made me to rescue you. Il y a plusieurs qui s'attendent juste à recevoir la guérison, juste à avoir le travail. Mais Dieu sait qu'au-delà du travail, tu as besoin du salut. You need salvation. Tu as besoin du secours de Dieu. You need God que Dieu vienne te secourir là où tu n'avais may pas de God secours. Je commence à monter dans la dimension prophétique. Que la main de Dieu Dieu puisse te secourir à cause de ta foi. Rescue you because of your faith. La troisième des choses que Jésus lui dit. The third thing that Jesus said. Va en paix. Go at peace. Reçois le shalom. Receive the shalom. La tranquillité divine. Tranquility. Et divine. Le Seigneur m'a dit que cette chose il va l'accomplir dans les and vies de the plusieurs. Lord told me that he shall en cette année this year, qui te donne la paix dans ta famille. Let your peace oh, be qui in te your donne family. La paix dans ton foyer. La paix dans ton house. Mariage. Peace in your marriage. Tu, toi-même, tu sais que quand tu pars au travail, là, tu rentres, you tu es tellement stressé every time you go que at Dieu work, te you donne la paix même dans ton travail. May God give you peace at work. Et enfin, la quatrième des choses. And the last thing, the fourth, Jesus Jésus said, lui dit, say to her, sois guéri de ton mal. Be healed from your plague. Sois guéri de ton mal. Be healed from your plague. Je vais un peu m'apesantir ici. I wanna dwell a bit here. Jésus n'a pas dit Jesus didn't say, sois guéri de ta maladie seulement. Be healed from your illness only. No. Il a dit sois guéri de ton mal. From your plague. Le mot mal qui est utilisé, the word plague that is used, mastix, mastix en grec, in Greek, veut dire means ce qui dévore. It's everything that devours. Ce qui consume. Whatever that consume. Mais mastix veut aussi dire mastix also la source du malheur. The spring of misfortune. Donc quand Jésus dit sois sauvé when Jesus said, be de ton saved mal from ou your sois plague, guéri de ton mal, or be healed from your plague, je te secours de la source qui produisait ton malheur. I am rescue you from every source je that te secours de tout ce qui dévorait ta vie. Everything that was devouring your life. Ça m'a rappelé Malachi 3:10. I remember Malachi 3:10. Quand Dieu parlait des dîmes et des offrandes, when God speaks about il a dit pour vous je menacerai said, celui you, qui dévore. Et ici pour cette femme, and for this lady, dans Marc 5:34, Mark 5, à cause de sa foi, because of her Jésus faith, dit je te secours de tout ce qui dévore. Jesus said, I'm resting you from every devourer. Ta santé a été dévorée. Your health ta maison devoured. A été dévorée. Your house tes finances devoured. Ont été dévorées. Your finances mais je déclare devoured. Qu'en cette année 2020, that le Seigneur te secours de the tout ce qui t'a dévoré. You from every oh, je le déclare, si tu le crois, I tu dis Amen avec moi. Believe, amen que la main de Dieu puisse te secourir. Aïe, 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 aïe. Alors que je te parle, je vois you, la main de Dieu te I secourir the Lord de tout ce qui a dévoré, tout ce qui a dévoré ta santé, tout ce qui a dévoré ton travail, tout ce qui dévorait tes relations, que la main de Dieu puisse te secourir. The
que la main de Dieu puisse te secourir. En cette année 2020, ainsi me parle l'Éternel, le dévoreur n'aura pas accès. Le dévoreur n'aura pas accès. Le dévoreur n'aura pas accès. Arrasé prédélique. Le dévoreur n'aura pas accès. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Le dévoreur n'aura pas accès. Je parle comme prophète de Dieu. Partout où tu as été dévoré, que Dieu, écoute, Dieu ne va pas seulement enlever le malheur, mais il va sécher la source qui produisait le malheur. Je pensais que tu me donnerais un amen de gloire. Pendant qu'on est ici en train de prier, j'ai vu, on a ouvert une enveloppe. I saw an envelope. Sur cette enveloppe, upon that envelope, je voyais 2-1-2-1. I saw 21-21. C'est comme 21-21. 21-21. C'est comme quelqu'un qui a habité à une adresse pareille. Maybe you stayed 21-21. And the number of the place si was tu es là, lève la main. If you avance juste ici. At the place 21-21, come forward. Vous pouvez être à 4, come, vous pouvez être à 5, vous pouvez être à 6. Come, even if you are 5. Oh, je déclare sur toi, I declare le dévoreur, the devourer, Mara Sandele Kezepra. Je déclare sur toi, I declare le dévoreur, the devourer, ne te dévorera pas cette année. Devour you this year. Satan est un menteur. Satan is s'il a liar. Dévoré ta santé, if he devoured il t'a donné des problèmes de cœur, il t'a donné des problèmes d'estomac, il t'a donné des problèmes de diabète. Cette année 2020, nous arrêtons le dévoreur. Stop the au nom de Jésus, in the mighty name nous arrêtons le dévoreur. Stop the si tu le crois avec moi, dis. Je le déclare. Le dévoreur n'a pas de place. Je le déclare. Le dévoreur n'a pas de place dans ma vie. Le dévoreur n'a pas de place dans ma famille. Dis-le encore. Le dévoreur n'a pas de place dans tout ce qui me concerne. Je ne te vois pas très disposé ce soir. Il y a quelque chose qui se passe en ce lieu. Le dévoreur ne te dévorera pas. Le dévoreur ne te dévorera pas. Je parle à quelqu'un. Comme Jésus avait parlé à la femme qui perdait le sang. Va et sois guéri de ton mal. Ce soir, sois guéri de ton mal. Ce soir, sois guéri de ton mal. Au nom puissant de Jésus. Les quatre, tenez-vous juste par les mains. 21, ça vous dit quoi? 21 is what? Pardon? Vous aviez habité là-bas. 21. Rathburn Road East. Les trois ici. Vous avez habité là-bas? Vous avez habité là-bas? Vous habitez là-bas. À la même adresse que la cité. Moi je ne connais pas. Mais je vous ai vu, vous trois, vous êtes reliés. I saw you three. Tenez-vous juste par les mains. All les trois. Yourself, the three. Levez juste les mains. Uplift your hand. Koria machande reblesse predeveria. Korobosha. Papa Dieu m'a dit que je vous dise. God is telling me to tell you, cette année, this year, vous allez vivre la restauration de toutes les années que l'ennemi avait dévoré. Il me dit, he tells me, ça ne va pas commencer en mars ou avril. À partir de ce mois de janvier, January, le Seigneur commence à restaurer toutes les choses que l'ennemi avait déjà détruites dans votre vie. Que la faveur de Dieu vous distingue et que cette année vienne avec des témoignages à la gloire de notre Dieu. The glory of Jesus. Cette adresse là, vous avez habité en quelle année? Which year was it? 99 à 2001. Je veux vous dire quelque chose. Le Seigneur m'a dit que je puisse vous dire la même faveur qu'il vous avait faite à cette adresse-là, 21-21. C'est la même faveur qu'il vient d'accorder à votre père. Et je suis en train de voir de l'huile qui coule et je vois les chaînes qui se brisent. Ainsi me parle l'Éternel. 2020 est une année de visite.
visitation pour ces deux personnes, Idia Soso et pour Joël. Ainsi me parle l'Éternel. De la même manière que j'avais fait un miracle, j'ai miraculeusement pourvu pour l'appartement et même meublé. Je suis en train d'accorder la même grâce dans leur famille en cette année. Et j'ai vu la même grâce sur la sœur Noëlla, où le Seigneur a ouvert le livre de souvenirs. Ainsi me parle l'Éternel. 2020, rappelez-vous de ce qu'il avait fait en 99. Il m'a dit cette année, il vous étonnera plus qu'il ne l'avait fait. J'aimerais qu'on m'amène l'huile d'onction. Avancez s'il vous plaît. Please come forward. Le Seigneur me dit, the Lord is telling, il a combattu pour vous. He has fought for la you. Même adresse qu'elle a citée, the same address. C'est la même adresse. That is same. Je ne suis pas à Toronto. I'm not in Je Toronto. Suis de ce côté de Mississauga. I am like in Mississauga. Je suis de ce côté. I am this side of Mississauga. Le Seigneur me dit, the Lord is telling cette me, année vous allez this témoigner. Year you shall testify. J'aimerais juste les wen. I want to anoint you. Les trois sans le savoir sont liés par la même adresse. The three, they are linked by the same address. Oh, merci Jésus. Thank you, Lord. Merci Jésus. Thank you, Lord. Merci Jésus. Thank you, Lord. Aujourd'hui, quand vous étiez en train de venir, when you came, vous aviez la détermination que cette année, je ne veux pas pleurer comme j'ai pleuré l'année passée. Like last year. Et c'est la prière que vous faisiez monter dans votre cœur. Ainsi me parle l'Éternel. Il a exaucé votre prière. He have heard you. Et j'ai vu les chaînes se briser. Chain be broken. À 21-21. 21-21. Yeah, Rathburn Road East, Mississauga. Mississauga. Que la grâce de Dieu descende sur vous. You. Le Seigneur me dit, the Lord is j'élargis me. Et je stabilise la vie I de Nicole. Aucune adversité Nicole ne l'atteindra en cette année. Alors que je mets ma main sur vous, je prie que cette année, Dieu restaure toutes les choses que l'ennemi avait déjà. Brisé. Au nom de Jésus, que quelqu'un acclame le Seigneur. Clap your hands. Avancez juste. Come forward, dear sister. Est-ce que vous aviez des requêtes particulières par rapport aux deux noms? Do you have particular requests concerning the two names I mentioned? Les deux noms. The two names I mentioned. Tenez-vous juste par les mains. Hold each other's hands. J'aimerais que Minister Lydia m'aide. Mama Lydia, please, can you come and help us? J'aimerais juste qu'elle tienne le ventre de la sœur Noëlla et de la sœur Grace. Please, can you come and lay your hand upon their stomach? Cette année, this year, ma'am, Dieu libère. God is actually setting free. Tout ce qui concerne le mariage, whatsoever et God tout ce qui concerne la maternité. And maternity. Et le Seigneur me dit, and the Lord is telling me, cette même faveur the same favor qui descend ici, that is coming here, elle est en train d'affecter aussi BT Street. BT Street. Street. Mandere cro de varaba sandele braika je pranineso so se praderia eliglasa pradia coro braderia zenane ke sa paraba so praderia elegle de veria ba ship pradia me cliso praderia conta lica. Mettez juste les mains sur elle. Wait, il y a quelque chose qui se passe maintenant. Église, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Church, may we clap our hands. Je suis en train d'aller à la fin de mon message. I am wrapping up my message. Que quelqu'un dise avec moi, le dévoreur ne me touchera pas. Will not touch me. Le dévoreur the devourer ne touchera pas à ma famille. Will not touch my family. Le dévoreur the devourer ne touchera pas à ceux qui m'appartiennent. Will not touch everything au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je dis encore, le dévoreur ne me touchera pas au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je vais continuer. Going forward. Alors que Jésus a guéri cette femme. When Jesus healed the lady. Oh yes. Oh oui. Gracias, l'année passée tu avais même fait des offrandes. Gracias, last year you made some offerings. Pour ton mariage. For your marriage. Mais aussi pour Joël. Also for Joel. Mais quand je vois la faveur de Dieu descendre sur Idia Soso, when I saw the grace of God upon Idia Soso, je suis en train de voir l'onction qui descend autour de sa tête. I see the anointing around their head. L'ennemi voulait juste le troubler, qu'il n'arrive pas à faire des bons choix. The devil wanted to trouble her. Mais so cette that année, Dieu me choice. Dit, but the Lord is telling me, il restaure et répare chaque he chose. Is restoring and repairing everything.
Je peux continuer un Can peu. Can I go forward? Est-ce que je peux continuer? May I carry on? Dis-moi amen. Say to me, yes, say amen. Dis-moi encore amen. Say amen again. Say amen. Dis-moi encore amen. Say amen. Pendant que Jésus a parlé à la femme qui perdait le sang, when Jesus spoke to this lady who was losing blood, on vient annoncer à Jairus. They came and tell Jairus, ta fille est morte. Your daughter has died. Imaginez quelle serait la réaction de Jairus. Imagine what could be his reaction. J'ai pris Jésus. I went and took Jesus. Pour qu'il vienne prier pour ma fille. So that he came and prayed for my daughter. Une femme l'a arrêté en route. Somebody stopped Jesus. Jésus s'est arrêté. Jesus stopped. Il a commencé d'abord à dealer avec les problèmes de cette femme. Treating the problem of that lady. Maintenant, quand il a fini, when he finished, on vient me dire, they came to tell him, ne le dérange même plus. Don't bother him. Ta fille est morte. Your daughter is dead. Si c'était moi, Jairus, if I was Jairus, j'allais regarder cette femme-là. I was gonna look at that lady. Toi, tu as été guéri, you are healed, mais au détriment d'autres personnes. But now my daughter is dead. Toi, tu as reçu ton miracle. You received your miracle. Mais la mienne à moi, elle vient de mourir. But my daughter has passed away. Et les gens venaient. And people came. Ils disaient à Jairus des choses négatives. They were saying negative things. C'est fini. Oh, it's over. Ne crois plus. Don't believe anymore. Mais Jésus dit, but Jesus said, sans tenir compte de ses paroles, he didn't keep that in mind. Sans tenir compte de ses mots, he didn't keep that in mind. Jésus lui dit, Jesus said, ne crains pas. Do not be afraid. Crois seulement. Only believe. Je nous disais à la veillée, on the watch out prayer, cette année, this year, si Jésus guérit ton voisin, if Jesus healed your neighbor, et que ton cas s'empire, and your situation get worse, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Don't ever think that the Lord has forgotten you. Ne te compare pas. Do not match yourself with mais l'autre, sa vie avance. But the other one, mais moi, ça ne fait que s'empirer. But my life is worse. Il a guéri une femme qui souffrait pendant 12 ans. He healed a lady of mais il a aussi guéri une fille qui avait 12 but ans. He went also and healed c'était le miracle de 12. Of 12. A miracle of 12. C'est par là que je vais clôturer. That's where I'm going to wrap up. Jésus a dit à Jairus, Jesus said to Jairus, ne tiens pas compte de cette négativité. Don't keep in mind this negativity. Crois seulement. Only believe. Je veux nous encourager cette année. I want to strengthen you this year. Il y aura des choses. Oh, merci Seigneur. Oh, thank you Lord. Papa Dodo, que Dieu vous bénisse. Papa Dodo, God bless you. Vous savez, pendant que je parle, when I'm speaking, je viens de voir une enveloppe qui est descendue là. I saw an envelope where you were standing. Mais quand l'enveloppe est descendue, when it came down, j'ai vu Pierre. I saw the name Peter. Pierre. J'ai vu Pierre. I know the name Pierre. Et quand j'ai vu Pierre, and when I saw Pierre, j'ai vu 25 décembre. I see 25. 25 décembre. 25 décembre. Je ne sais pas ce que ça veut dire. I don't know what it means. Peter is his name. Pierre, c'est votre nom. Oh. Et 25 décembre, c'est quoi? 25 décembre. Vous êtes né le 24 décembre. He's born the 24th ne vous en faites pas, je sais ce que vous êtes en train de voir. Don't worry, c'est moi qui prophétise, non? I'm prophesying. Le... Je vois très clairement. Donc, I see clearly for comme life, on dit là, as we're talking, quand quelqu'un prophétise là, when I'm prophesying, c'est pas noir et blanc. It's not black and white. C'est même pas plasma. It's not plasma. C'est plus que curve. It's more than a curve LCD TV. Parce que le réseau c'est même pas Rogers. Because the service provider is not Rogers. Mon réseau s'appelle Téléciel. My network is heaven. Ce que j'ai vu, what I saw, au fait, Dieu m'a dit ceci. This is what the Lord told me. Dans votre famille, in your family, il y avait une loi. There was a law. C'était déjà levé. That was sur la vie de Pierre. Upon the life of Peter. Qui est vous? Which is you? Ce que Dieu m'a montré. What God showed me. Il m'a dit après sa naissance. After your birth. Un jour après. One day after. Il avait commencé à étouffer. You start like. Suffocate. Il voulait mourir. You were about je ne sais pas si on vous a déjà raconté I ça. Don't know if you were told by your mother. Il a failli mourir. You were about to juste die. Après sa naissance. One day after. Mais Dieu l'a protégé. But God protected you. Et j'entends. And I can clearly on était en train hear. De rechercher. People were busy looking around. Pas vous. Not you. Mais j'entends comme un terme. I hear a word. Mubadi Wantumba. Mubadi Wantumba. Mubadi Wantumba. Mubadi Wantumba. J'entendais ça. I heard that. Hein? Tumba, c'est le nom de papa. On était en train de vous rechercher. They were looking for et leur programme. And their
Il disait ceci, en 2019, on va le laisser fêter son anniversaire, mais le 25 décembre, on va l'achever. C'est comme ça que 2019, il y a eu beaucoup de combats qui s'étaient levés. On disait, on ne va pas seulement le combattre lui, mais tous les enfants d'un tourma. Mais le Seigneur me dit ceci, en cette année 2020, toutes les personnes qui étaient derrière ça, One by one shall go. Je parle comme prophète. I speak like a prophet. Pendant que je parle, when I'm speaking, je suis sous une onction prophétique. Le Seigneur me dit, the Lord is telling moko na moko, one by one, who will go, they will die. Même Kabamba va suivre. Even Kabamba will go. Et Dieu me dit, and the Lord is telling cette année, this year, il vous redonne une santé de fer. Et il restaure. Il restaure tout ce que l'ennemi avait déjà détruit. 2020, pendant que vous êtes entré en ce lieu, as you came in this place, je le dis tel que Dieu me dit. Demandez-lui une chose difficile. Ask God something very strange. Ça peut être par rapport au travail. It can be ça your peut work. Être par rapport à la santé. Your health. Ça peut être par rapport à la maison. At your ça, house. Je ne sais pas par rapport à quoi. I don't know what mais le Seigneur me dit aujourd'hui, demandez-lui une chose difficile. Ask something very et vous verrez and you shall see qu'il est Dieu. Come to pass. Oh, je viens parler à quelqu'un. Si on t'a réclamé en 2019, en cette année 2020, ma complot n'a pas gagné, ça tombe à l'eau. Si je suis prophète de l'Éternel, je déclare sur toi, cette année 2020, tu es intouchable. Tu es intouchable. Que tu sois dans la salle, que tu sois en train de me suivre en ligne, cette année 2020, tu es intouchable. Tape la main de quelqu'un. Dis-lui, tu es intouchable. You are untouchable. Tu es intouchable. You are untouchable. Tu es intouchable. Untouchable. Oh, je te déclare intouchable. I declare you untouchable. Je te déclare intouchable. Untouchable. Toi qui es ici à Divine you Grace, tu es intouchable. Nobody will touch you. Moi-même, je me lève myself comme père de cette église of this church, avec la couverture que Dieu a sur moi. Je déclare que tu es intouchable. No celui qui osera te toucher, Matasa blégué, reproché prédia, et réassa caderia. Celui qui osera te toucher, que la main de Dieu le frappe. Cette année, this year, Dieu te secoue du dévoreur. God is rescuing you from the devourer. Est-ce que tu peux prendre juste 30 secondes? Déclare avec moi que tu es intouchable. With me. No one will touch me. Say it. No one will touch maman, me. No vous one bien? Will touch me. No vous one will bien? Touch me. Vous allez bien? Are you okay, mama? Je priais pour quelqu'un qui était lié à Julien à la veillée. Je réentends encore la même chose. Vous connaissez un Julien? Do you know any Julien? Vous connaissez un Julien? Julien. 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 Vous n'êtes pas trop sûr. You are not quite sure. Pas trop sûr. Tenez juste la main de votre mari. Hold your husband et puis avancez. And come forward. Je suis en train de voir. I am seeing. Oh, je déclare sur toi. I declare upon que la faveur de Dieu te distingue. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Que la faveur de Dieu. May God favor. Que la faveur de Dieu. May God favor. Que la faveur de Dieu. May God favor. Oh, que la faveur de Dieu. May God favor. Que la faveur de Dieu. May God favor. Puisse te distinguer. Distinguished you. Je ne sais pas qui dans cette salle, I don't know, mais qui est lié à un nom de Mulimbi. Are you linked to Mulimbi? J'entends comme Mulimbi. I hear Mulimbi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. I don't know what it means. Mais si quelqu'un est lié à ce nom, if you know Mulimbi, qu'il vienne. Venez, venez, maman. Venez. Come forward. La brasse est clé de verre. Mulimbi. L'obrosa. Vous connaissez ce nom? Do you know that name? C'est qui? Who's that? Une amie. Elle est où? Elle est à Montréal. Elle est à Montréal. Est-ce que vous pouvez l'appeler juste maintenant, après la prière? Can you call her? Si vous l'appelez, call her. Dites-lui tell her. Que Dieu tell it. A fait tomber le combat qu'il y avait sur Mulimbi. The fight that was upon Mulimbi. Mais le Mulimbi que j'ai entendu, the Mulimbi I saw, j'entends aussi des noms comme Eli là-dedans. Eli.
Ce n'est pas que c'est la même personne. Elle est encore liée à un autre nom d'Élie. Aujourd'hui, pendant que vous étiez là, le Seigneur m'a dit deux choses. Il vient de visiter la vie de Moulini et la vie de Élie. Mais en même temps, il vient de vous accorder un mur de protection. Vous, votre mari et toute votre famille, l'ennemi ne vous touchera pas. Aïe, 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 aïe. Oh. Je pensais que quelqu'un me dirait amen. Amen. L'ennemi ne vous touchera pas. The devil won't touch you. The devil won't Papa, venez juste, you. Je vais juste tenir votre main. I wanna hold your hand. Seigneur, Lord, je viens déclarer ta bénédiction sur ce couple. I declare your blessing upon this couple in the name of Jesus. Tu me dis que cette année, you are telling me this year, c'est une année de gloire et de faveur. A year of glory and favor. C'est une année de grâce. A year of grace. C'est une année d'élévation. A year of upliftment. Que la faveur de Dieu may the favor of the Lord puisse être sur vous. Be upon you. Et que Dieu vous ouvre les and portes. May God open doors au nom before de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. J'ai vu ceci. I saw this. Je ne vais pas vous faire peur. Hein? This is not to afflict you. Can I speak? Oh Seigneur, je suis en train de me battre que je puisse tout dire ou que je I'm fighting so that I je commence ici. I'm starting here. Cette année, this year, Papa Mark, Dieu donne la longévité à vos membres de famille. God is giving longevity to all the members of your life. Quand je parle des membres de famille, when I'm speaking about your family members, il y avait beaucoup de lois que le monde des ténèbres avait déjà. There were a lot of laws that the darkness world has established. Ils disaient on a raté 2019. They say we didn't make it. On va multiplier pour 2020. But we shall multiply in 2020. Mais le Seigneur me dit, but the Lord is telling me, il protège. He's gonna protect you. Il vous demande juste de demeurer dans la prière. He's just asking you to dwell in prayer. Mais quand je vois la flèche sauter la personne que ça devait toucher, when I saw an arrow going astray from the person it wanted, it was targeted. La flèche voulait toucher Swana. It wanted to touch Swana, that arrow that was sent. Mais j'ai vu elle a aussi échappé. But I saw it has been diverted. Le Seigneur me dit, and the Lord is telling me, levez l'autel de la prière dans votre famille. Uplift the altar of prayer. Levez l'autel de la prière. Uplift an altar of prayer. Et beaucoup de jeûne. And a lot of fasting. La victoire de l'Éternel, the victory of the Lord, va vous être manifestée. Will become in your j'ai vu le nom de Julien. I saw Julian assis. Seated avec une femme, with a lady, qui parle Swahili, speaking in Swahili, qu'on appelle Ornella, called Ornella, Ornella Zahiriwa, Ornella Zahiriwa. Mais ces gens-là, but those people, sont en train de parler avec Stella. They are speaking with Stella. Mais ce qui se dit, but what they are telling, saying, mine fichika mdamu ya Yesu. So I what? Mine fichika mdamu ya Yesu. I hide it in the blood of Jesus. I hide it in the blood of Jesus. Tout à connu chaque pembe. I'll janvier, février, mars. January, February, March. The hand of the Lord is upon you. Vous avez compris? Do you understand? Vous voyez moi juste après. Just see me after. Juste après. Just after. La main de Dieu sur vous. May the Lord of the hand be upon you. I'll speak to you in private. Je vous donnerai les détails. I'll give you the details. Que quelqu'un dise avec moi, je suis béni. Say I am blessed. J'ai fini. Wrapping up my message here. Mais regardez la dernière chose. But listen to c'est this. Le premier dimanche, comprenez-moi non. This is the first Sunday, please. Parce que vous vous fâchez déjà. No, don't get upset, please. This is the first Sunday of the comme year. Rick a dit qu'il n'est pas fâché, donc je continue. As my mother said that he's not upset. I'm carrying on. Amen. Regardez maintenant ce qui se passe. Now look what happened. Il y avait une femme. There was a lady qui perdait le sang. She was losing blood. Pendant for 12 bad years. Perdre le sang. Losing blood. C'est perdre la vie. It is losing your life. 12 ans durant. 12 bad la years. La vie se dépérissait. Life was going bad. Une autre. And another elle one. Elle a vécu. She lived. Mais quand elle arrive à 12 ans. When she reached 12. L'ennemi vient arrêter sa vie. The devil came and stopped her life. Le chiffre 12. The number 12. Dans la Bible. In the Bible. Signifie. Means. Le gouvernement divin. The divine l'ordre government. Que Dieu établit.
establishment. C'est comme ça que vous verrez que dans l'Ancien Testament, quand Dieu s'est choisi un peuple, when God chose les prophéties d'Abraham, Isaac et Jacob, Abraham, Isaac se sont Jacob, réalisées par les 12 tribus d'Israël. Au travers Israel, des 12 tribus, the 12, Dieu s'est fait connaître. God quand on arrive dans la nouvelle alliance, in the new covenant, Jésus se choisit Jesus chose 12 disciples. 12 disciples. Avec lesquels il a fait un grand travail. Même quand Judas Iscariot s'est suicidé, il a été remplacé par Matthias parce qu'il devait faire 12. Et c'est comme ça que même la Bible qui parle autour du trône, les rachetés de la nouvelle alliance et de l'ancienne alliance, la Bible parle de 24 vieillards. They are 24 elders. Quelqu'un est en train de me saisir. Are we together? Donc 12 veut parler du gouvernement divin, speak l'ordre de Dieu, une nouvelle saison qui commence. God, a new season. Dieu m'a dit qu'en cette année, en God cette décennie, to me, it is the Dieu est en train d'établir son règne God dans les vies de is plusieurs. Establishing his reign in mais your life. Alors que tu es dans la saison de l'établissement du règne de Dieu, as God is establishing you, l'ennemi veut t'arracher la vie. The devil is coming to take your life. Le Seigneur te dit, but the Lord is saying, la chose qui te donnera la victoire, the only thing that shall give you victory, c'est la foi. Is your faith. Les deux femmes, the two women, nous parle de la loi et la grâce. They are speaking to us about the law and the grace. Quand Jésus guérissait l'autre, la petite fille, when Jesus was healing the young girl, c'est la fille de Jairus. It was the Jairus était plongé dans la loi. Jairus was in the law. Jésus pouvait lui parler en hébreu. Jesus could speak to him in Hebrew. Mais Jésus va dire en araméen. But he spoke in Aramaic. L'araméen était un langage de la rue. It was a street language. On ne pouvait pas parler à un sacrificateur ou à un prêtre en araméen. You can't speak to a ruler. Parce que c'était le langage de la rue. It was a street language. Jésus pouvait dire, Jesus could say, bat, bat, kum, kum. C'est ce que ça dit en hébreu. Amen. Daughter, stand up, wake up. Mais Jésus dit, but Jesus, Talita, kumi, kumi. Jésus voulait dire à Jairus, Jesus wanted to tell Jairus, tu es plongé dans la loi. You are so in the law. Mais moi, je viens apporter le salut. But I came to bring pas seulement à la famille d'Israël, not only to mais même Israel, aux gentils qui but sont de la rue. To the Gentiles. Alors Jésus n'a pas parlé en hébreu. Jesus didn't speak in Jésus Hebrew. Parle en araméen. He spoke in Aramaic. Et c'est bizarre. And it's le mot Talita, the word Talita vient de deux mots. Came from two words. Il y a le mot talé, talé et le mot tala. And tala. Tala veut dire tala means couvrir par le sang de l'agneau. Et talé veut dire and talé means l'alliance par l'agneau. The covenant by the lamb. Même le mot agneau en hébreu c'est talé. The word lamb in Hebrew is pourquoi talé. Jésus a dit talita? Why did Jesus say talita? Parce que les esclaves. Because qui était étranger, qui venait entrer pour servir le peuple d'Israël, on devait d'abord les percer, ils devaient entrer dans l'alliance, et on devait faire pour eux une offrande pour qu'ils deviennent serviteurs ou servantes. Et puisqu'on immolait l'agneau, on disait ces gens étaient étrangers, mais maintenant ils sont couverts par le sang de l'agneau, alors ils peuvent être au now they can partake with us. Donc Jésus maintenant, Jesus now, pour parler à la fille, to speak to the daughter, il n'utilise pas le mot connu de tout le monde. He doesn't use the word il utilise le mot de ceux qui étaient esclaves, he used the word of mais slaves, qui ont été adoptés à cause du sang de l'agneau. And adopted c'est là, c'est ce mot-là que Jésus utilise the word that Jesus pour dire used. Talita kumi. Talita, Talita ne veut pas seulement dire jeune fille, it doesn't mean mais ça veut dire une jeune fille esclave, it means a mais qui a été rachetée. Who was redeemed. Elle n'était pas esclave. She was not. Mais Jésus voulait lui faire comprendre qu'aussi longtemps que tu resteras sous la loi, tu es encore esclave. Mais quand tu découvres l'agneau et quand tu es couvert par l'agneau, alors tu peux expérimenter la résurrection. Je veux dire à quelqu'un, la loi tue, mais la grâce donne la résurrection et la vie. La loi tue, mais la grâce de Dieu.
Ce n'est pas pour rien que l'agneau de Dieu a été immolé à la croix de Golgotha. Toi et moi, puisque nous avons reçu la marque de l'agneau et puisque nous sommes couverts dans son sang, nous sommes obligés d'expérimenter la résurrection. Je vais le dire bien. Tout sorcier qui te combattait, every witch that was fighting you, il peut te combattre, they may fight seulement si l'agneau n'a pas fait couler de son sang. Only if the lamb was not shed. Mais puisque l'agneau a fait couler de son sang, because the lamb tu n'es plus sous l'esclavage de la loi. Under the slavery, tu n'es plus sous l'esclavage de la loi. You are not anymore. Tu es maintenant sous la grâce. You are under the tu es maintenant sous la grâce. You are under the grace. La loi de ta famille est the appelée à tomber. La loi des méchants est des sorciers n'a pas de pouvoir sur toi parce que le sang de l'agneau te couvre. Et la Bible dit dans Apocalypse 12:11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. En cette année 2020, reste sous la couverture du sang de l'agneau. La résurrection et la victoire. Is victory. Et la victoire. And the victory. Tu la vivras. You will live it. Seulement quand tu es couvert. Only when you are covered by Jesus. Par le sang de l'agneau. By the blood. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout. I want you to stand. I'm J'aimerais que tu stand. Pries avec moi. I want you to pray together. Que tu dises, Seigneur. Say, Lord. En cette année. This year. Que ton sang me couvre. May your blood cover me. Je vais continuer dimanche prochain. Next Sunday I'll carry on. Tout en introduisant aussi le thème de la retraite. Also by introducing the retreat theme. Dis à Dieu, Seigneur, que and cette année ton God sang me couvre. May your blood. Il a fallu que le sang soit mis sous les linteaux des portes en Égypte pour que Pharaon puisse the libérer le peuple d'Israël. Was put on the lantern in Egypt so that Pharaoh may set free the children en of Israel. Cette année, but this year, puisque le sang de l'agneau te couvre, because the blood of the lamb tu ne vas pas rester en Égypte. You shall not live tu ne vas Egypt. Pas rester dans l'esclavage. You are coming out of slavery. Toi et tout ce qui t'appartient, you and everything that belongs vous devez to you. Sortir you are coming out pour bénéficier de la terre promise. To go and enter in the nous allons élever nos voix, nous allons prier. We shall pray now. Prions tous ensemble le Let's Seigneur. Let's pray together. Reblasabla reveria machete.